Salut les gars, je m'appelle Marc Blanc et voici mon ami Flux Radieux. Nous construisons une machine pour sauver Mignonia. Nous construisons en secret une machine pour sauver Mignonia. Hé, hey, ce sont les gardes royaux. Tu crois qu'ils ne savent pas ce qui se passe? Vous construisez une machine? Mignonia? Dites, qu'est-ce que vous faites ici exactement? Si on lui montrait Sparsky, ok, ça roule. Butch, 2, 3, 4. Oups! C'est notre petite danse de bienvenue. Elle contient même un message. C'est vrai. Et ce message, c'est bonjour! Nous espérons que notre chanson vous apportera un peu de joie aujourd'hui. Oui, merci les gars. Vous n'êtes pas obligés de me remercier. Votre sourire nous suffira. Votre danse est très intéressante. Moi, je sens nettement un creux beaucoup plus intéressant au fond de mon estomac. Oh, vous voulez un bisou dessus pour vous sentir mieux? Non! Oh! Je crois que ce qu'il veut dire, c'est que le simple fait de s'inquiéter pour vous lui fait du bien. Hip hip hip! Ouah! Pouf! Quelle sacrée journée, hein, Flux? Oui? Nous aurions bien besoin d'un petit coup de fouet au moral. Alerte! Alerte! Nos amis ont le cancre là! La blatte les a frappés! Vite! La danse! Non, non! Attendez! La journée n'était pas si dure que ça! 2, 3, 4! Oh, on dirait que les petits gars ont laissé tomber quelque chose. Dommage. La porte est fermée à clé. Bon, voilà au moins un problème résolu. Mais il nous reste encore mille et une énigmes. Ce n'est qu'une estimation, bien sûr. Je crois que tu es un génie. Tu étais en train de chercher une trappe, non? Ça ne s'ouvre pas. Je crois qu'elle est fermée de l'autre côté. N'oubliez pas, ouvrez haut sans fermer bas. Entrez droitement, ne sortez pas gauchement. On dirait une sorte de message mystérieux. Thank you.
Nous avons ouvert un passage secret. Je crois que la réorganisation de tes tiroirs à chaussettes peut parfois être payante. Elle est trop petite. Je risquerais de la briser. Flux, je suis trop gros pour grimper à cette échelle. Est-ce que tu pourrais monter là-haut et fouiller le lit du roi? Tu veux que je me mette dans ces beaux draps? Non, je veux que tu fouilles pour voir s'il y a quelque chose d'utile. C'est parti, mon kiki. J'ai trouvé un bon pour la location gratuite d'un costume chez Coco Flanel. Hé, hey, Flux, va te mettre sur cette latte délatée un instant, tu veux bien? Bien sûr, mon pote! Tout ce que tu voudras! Flux, tu as réussi! Waouh! C'était dur! Le saut? Non, le sol! Si quelqu'un tombe là-dedans, la chute sera dure, et le plancher de l'étage du dessous encore plus. Oui, sans compter qu'il risque de se faire mal. Pas mal comme couverture. Ça devrait suffire. On dirait que c'est celui qui s'est échappé. Bonjour mon brave, je m'appelle Marc Blanc et voici mon ami Flux Radio. Enchanté de faire votre connaissance. Alors, c'est donc une salle d'arcade ici? Non, je suis fleuriste, mais je suis en rupture de stock. Évidemment que c'est une salle d'arcade, imbécile. Marc, t'as entendu ça? Tu viens de te faire jeter par un mignonien. Marc Blanc, insulté par un gros niais. Moi, je ne peux pas imaginer quelque chose de plus humiliant. Attends un peu que je raconte ça à tout le monde. Tu ne survivras pas à un tel affront. Mesdames et messieurs, je vous présente mon ami Flux Radio. Non, rien, je viens de me souvenir que je n'aime pas les fruits de mer. Évidemment, à Mignonia, même un pub irlandais est aussi bruyant qu'un salon de thé. Je ne sais pas, Flux. Je crois que cette souris là-bas ne serait pas d'accord avec toi. Regarde-la. Oh, allez, va-t'en. Oh.
On dirait que cet endroit est plus vivant que vous, l'ami. Cool! Hey, Flux, si tu allais là-bas pour attraper cette sale bestiole... Je ne crois pas que je pourrais l'attraper! Elle est trop rapide! Je n'arrive pas à l'attraper. Je devrais peut-être essayer l'orgue du barman. Je suis sûr qu'il appréciera. Flux, va assommer cette souris, tu veux bien ? D'accord ! Prends ça, sale souris golotte ! Bien joué, mon gaillard ! Dieu ciel, vous avez utilisé le piège. Je ne jamais voulais pour notre petite amie de se faire assommer. Oh, ne vous inquiétez pas. Dès que nous aurons remis son crâne, comme avant, je suis sûr que tout ira bien. Wow, je suppose vous êtes raison. Moi aussi, ami. Oh, et sans plus de cérémonie, ici est votre récompense, gentilhomme. Une vieille chope? C'est ça, notre récompense? Je sais. Il est peut-être trop beaucoup, n'est-il pas? Mais plaisez-moi, prenez-la, j'insiste. Les deux de vous avez mérité, alors vous avez. Flux, qu'est-ce qu'on va faire avec cette saloperie? J'ai quelques idées. Oups. Je pense que c'est la manière du roi Hilarius de nous dire « Ne volez pas mes saints trophées, infâmes de mauvaise vie !» Parfait. C'est Dorothée. Elle a l'air pressée. Elle est peut-être en retard à un rendez-vous important. Dorothée, je présume. C'est moi. Comment ça va aujourd'hui, Dorothée? Je suis belle, moelleuse, douce et jolie. Et je ne peux pas être plus heureuse. Oh, excusez-moi, ça m'a échappé. Vous savez, depuis que ce méchant monsieur Nefarius à transformer Mignonia avec son horrible machine, je suis un peu patraque et bizarre. Cet affreux bonhomme est en train de tout ruiner. Regardez ma prairie. Méchant. Ce n'est pas juste. Oh, mon Dieu, ne m'écoutez pas. Je ne suis qu'une grosse maladroite. Je devrais vous souhaiter la bienvenue. Bienvenue. Merci beaucoup. Non, merci à vous.
J'adore me faire de nouveaux amis. Oh, quelle journée magnifique! Dites, Dorothée, qu'est-ce que vous faites dans le coin, au fait? Ce que je fais? Mais mon travail de plus jolie lapine de l'univers, avec mes grandes oreilles si soyeuses et mes belles petites fesses en peluche. Même mes petits poupous sont si mignons. Hourra! Alléluia! Hourra! Et je parie que vos petits poupous sentent encore plus bon que des fleurs, pas vrai? Tout le temps. Vous voulez renifler mes jolies fesses soyeuses? Hey! Devinez quoi? Non! Vous connaissez le roi Hilarius? Oh oui! J'adore Illy! Il est si bon, si sage, si gai, si beau! Si beau? Mais oui! Tout le monde est beau, chacun à sa manière! Même vous! Ah ça, c'est gentil! La gentillesse, c'est ma spécialité! Je présume que les attaques de Nefarius vous ont traumatisé. Eh ben ça, oui, mais c'est de pire en pire. Vous savez, un gentil lapinounet m'a donné ça pour me remonter le moral. Mais moi j'aime le pop-corn. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Je ne suis qu'une splendide lapine, à la peau douce et soyeuse. Pourquoi moi? Pourquoi moi? C'est vrai! Pourquoi? Bon, Dorothée, je crois qu'il va falloir qu'on y aille. Oh, oh, c'est toujours triste de voir partir ses amis. Tant pis. Oh, j'ai envie de faire un gros bisou soyeux de Dorothée au monde entier. Pas vous? Bien sûr, mais oui. Mais vous ne pouvez pas. Parce que vous n'êtes pas la fabuleuse Dorothée. Et c'est tant mieux comme ça. Je crois qu'on ne me dira rien si je n'en prends qu'un. Bonjour. Marc, qu'est-ce que tu essaies de faire exactement ? Bah, je pensais que peut-être, tu vois... Tu croyais que ce pantin de paille couvert de chiffon pouvait parler, hein? À vous! Non, bon, d'accord, peut-être. Mais tu sais, j'ai vu pire que ça, hein? Oh, Marc, tu charries! Pff, même dans mon monde, un épouvantail n'est qu'un... Bonjour! Épouvantail? Oui, tu disais? Hé, hey, est-ce qu'un de vous m'a traité de pantin de paille couvert de chiffon, petit polisson? Où ai-je fait? Un cauchemar bestial. Ah, oh, je ne sais pas. Les rêves sont une chose étrange, n'est-ce pas? J'en ai fait un tout simplement divin l'autre jour. Je flottais dans le ciel, très haut, au-dessus du monde. Le vent me berçait et me caressait doucement. Je traçais des pirouettes élégantes dans l'azur. Oh, et alors surtout, surtout, je portais une écharpe en torchon angora à mourir. C'est vraiment déprimant de se réveiller en plein milieu d'un rêve comme ça, hein? Oui. Dites, monsieur l'épouvantail, qu'est-ce que vous faites planter là? Vous allez prendre racine? J'aurais du mal. Si vous voulez le savoir, je surveille mes bébés. Vos bébés? Les corbeaux, frère. Les corbeaux. Vous devriez envisager votre travail sous un angle différent. Pour autant que je sache, les épouvantails sont censés épouvanter les corbeaux. Pour votre information, je ne suis pas un épouvantail, mais... un émouvantail. Vous croyez que c'est qui se préoccuperait de tous ces petits oiseaux? Frigide Barjot? Je crois qu'il a raison. Et croyez-moi, harceler les oiseaux, c'est une chose. Mais il faut encore plus de force pour s'en occuper. Tenez, rien que pour leur lancer toutes ces graines, regardez mes mains. Est-ce que ce sont les mains d'un milliardaire oisif? Et non! Ce sont les mains d'un fier gardien d'oiseaux. Mais...
Je suppose que c'est le prix à payer pour éviter le supplice des gants de latex. Non mais vous avez vu dans quelle couleur affreuse on nous les propose ? Burke, non merci ! Je préférerais qu'on me coupe les mains au ras des manches si je devais porter ces insultes au bon goût vestimentaire. Je sais, je suis terrible, hein ? Ben, j'avoue que question mode, vous êtes l'épouvantail... Pardon, émouvantail... Le plus branché que je connaisse. Oh, vous êtes gentil. J'aime beaucoup la cape. Elle est très... bien. Cette harde de barbare, je la hais. Je l'ai baptisée cape cadavérale ou cape triste et finie. Mais on ne m'a pas demandé mon avis, vous savez. Je donnerais n'importe quoi pour avoir de beaux vêtements neufs. En fait, je donnerais cette cape. Malheureusement, c'est tout ce que j'ai. Je ne sais pas si au fond de votre cœur de jeune homme... Mais qu'est-ce que je raconte ? Oh, je suis épouvantable, c'est complètement décousu. D'ailleurs, je vous demande beaucoup trop. Je pense que nous pourrions vous aider. Vraiment ? Vous feriez ça ? J'ai bien entendu ce que je viens d'entendre. Il faut aller acheter des fringues pour un épouvantail. J'ai une idée. Vous nous donnez la cape et nous allons vous ramener une belle veste de survêtement, par exemple. Ah ! Mais c'est positivement affreux! Non, il faut que ce soit la bonne tenue. Je veux quelque chose que je puisse porter tous les jours de l'année. Mais pas besoin de trucs extraterrestres. Je ne veux pas avoir des poils partout. Quelque chose de pas trop rustique. Je ne veux pas avoir l'air cloche, ni me faire siffler, ni avoir l'air d'un clown ou encore moins d'un travelot. Et surtout pas d'habit qui fait le moine. D'accord. Bien sûr. Je sais exactement ce qu'il vous faut. Oui, moi aussi. Une camisole. Bon, il faut qu'on y aille. Très bien, les garçons. Mais n'oubliez pas votre ami l'émouvantail. Je vais faire le pied de poule sur le champ pour vous attendre. Mais j'y suis déjà. Hé, hey, regarde, c'est Dorothée. Cri de joie. Bonjour, Dorothée. Oh, dis, si jamais je deviens comme elle, achève-moi tout de suite. Dites, Dorothée, qu'est-ce que vous pensez de la barbe à papa, hein ? Rien du tout, je crois. Sauf que je déteste la barbe à papa. Oh, pauvre petite Cosette. Pauvre, pauvre de moi. En voyant ce que Nefarius a fait de cette prairie, je crois que nous pouvons le remercier de ne pas nous avoir cogné dessus. Tu sais, je crois que nous sommes protégés par un charme magique. Oh, un charme? Oh, c'est une simple patte de lapine que je garde toujours sur moi. Flux. Ne vous inquiétez pas, il voulait simplement dire quelque chose de gentil. Exprimer son amour des adorables et jolies lapines qu'on rencontre dans le coin. Sinon, il n'aurait rien dit du tout. Alors, Dorothée, quoi de neuf ? Rien. Je suis toujours la plus jolie petite lapinette du monde. Je suis belle comme une fleur. Jolie, douce, soyeuse. Je sens bon. Hey, c'est super ! À plus tard, Dorothée. Vous reviendrez. C'est difficile de rester loin de ma beauté et de mon charme. Non, je ne crois pas. Bonjour, mesdames. Psst, Marc, laisse-moi faire. Je suis un pro pour les langues étrangères. Pitou. Oupa, oupa, drôle, ding-dong, fachalé. C'est à nous que vous parlez ? Est-ce que vous... Oh, vous voulez sûrement du beurre ? Je suis vraiment désolé, il n'y en a plus. Plus une seule motte. Du beurre ? Non, nous... Regardez, le baratotron est cassé. Outi ! Écoutez, ce n'est pas grave. J'imagine à quel point vous devez être déçu. Sans beurre, la vie est à peine supportable.
tout mignonia, pleure mon beurre si frais, si doux, si crémeux. Malédiction, ô jour maudit. Mais je ne veux pas m'affoler, je tiendrai le coup. Et vous aussi d'ailleurs. Courage. Dites, vous ne devriez pas être à quatre pattes. Oh, quel culot. Bonté bovine. Non, 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 ce n'est pas ce que je voulais dire, je vous assure. C'est parce que dans mon monde... Laissez tomber. Je suis vraiment désolé, je ne voulais pas vous vexer. Tous ceux qui connaissent les bonnes manières sont les bienvenus dans notre étable. Au fait, moi c'est Marc, et lui c'est Flux. Mon Dieu, mais j'oublie moi-même mes manières. Je m'appelle Marguerite, et voici Annabelle. Et cet appareil est mon compagnon, et mon ami pour la vie. Le baratotron. Je suis enchanté de faire votre connaissance. À bientôt, mesdames. Au revoir, mesdames. Mesdames. Vous avez compris? Alors ça, c'est vraiment nul comme jeu de mots. Est-ce qu'il se moque de nous? Mais bien sûr que non, Annabelle. Ce sont nos amis. Waouh! Quand on me dit des trucs pareils, j'ai l'impression de mesurer un mètre. Mais tu mesures environ un mètre. Cool. Pendant un instant, j'ai cru que j'avais une conscience. Je ne vais pas fourrer ma main là-dedans. Cet écureuil a une sale gueule. Je ne pense pas que l'écureuil me laissera faire. Ça va, les gars? Salut! Belle journée pour une balade, hein? Moi, c'est SM Lou, à votre service. SM? Ce sont les initiales de Super Méchant. C'est chouette! Ça, au moins, c'est un prénom de chien. Super Méchant! Ça remplit bien la bouche! Encore une vanne comme ça, l'ami. Et c'est toi qui me remplira la bouche. Mais à qui ai-je donc l'horreur de parler? Je m'appelle Marc Blanc, et lui, c'est Flux Radieux. Ravi de faire votre votre connaissance. Nous aussi, monsieur le loup. Bon, je crois qu'on va y aller, hein? Restez juste un moment, les gars. J'ai une petite faveur à vous demander. Vous voyez, j'ai des amis à dîner ce soir, et... j'espérais que vous pourriez m'apporter une bonne bouteille de pinard pour soutenir mon attaque. Sans mon verre de vin tous les soirs, j'ai des irritations, si vous voyez ce que je veux dire. Moi aussi j'ai des irritations des fois, surtout quand ça me gratte. Vous pouvez considérer que nous voyons parfaitement ce que vous voulez dire, monsieur le loup. Je vous en prie, appelez-moi SM, je persiste. Très bien. SM, nous ouvrirons l'œil pour voir si on peut vous trouver du vin. Excusez-moi, mes amis, mais je crois que nous nous sommes mal compris, voyez-vous. Je ne vous demande pas d'ouvrir l'œil. Et je vous ordonne de me rapporter une bouteille de pif et fissa si vous voulez ressortir en un seul morceau de cette forêt. D'accord, d'accord. Bon. Maintenant, je tiens à vous souhaiter bonne chance pour votre mission, ainsi qu'à votre ami. C'est vraiment super de votre part, SM. Évidemment, tout est super chez moi. C'est drôle, j'étais justement en train de penser que vous aviez vraiment de grands yeux, mon loup. C'est pour mieux voir que vous n'avez pas encore ma bouteille de vin. Alors... cassez-vous. Et vite!
Allez, ciao les gars. Salut Jumbo. Dis, au fait, tu décolles à quelle heure? Je n'ai jamais vu un engin aussi bizarre. C'est normal! C'est la navette de Xanidou! Une main vide, ça me rappelle ma paye chez Schmaltz Inc. Je ne pense pas qu'elle soit là pour qu'on la regarde. On dirait un levier de vitesse. Il est au point mort. Ça ne nous avance à rien. D'un point de vue purement technique, nous sommes en fait quelque part, mais je crois que ce n'est pas le quelque part auquel tu pensais. Je crois que la vieille ruse de la souris minuscule qui fiche une trouille d'enfer à un énorme éléphant ne marchera pas avec une souris inconsciente. C'est une maintenant une souris endormie. Désolé, petite souris, mais il est temps de te réveiller et de respirer du bon engrais. Je n'ai jamais vu un engin aussi bizarre. C'est normal! C'est la navette de Xanidou! On va à Xanidou! J'adore aller à Xanidou! On est arrivé! C'est une pub pour le concours des trois Belges. Ça devrait marcher. Qui est là? C'est moi, votre malveillance. Je vous demande pardon, mais j'ai détecté une nouvelle présence dans Mignonia. Je n'ai pas le temps de m'occuper des lapins. Je travaille. Ce n'est pas un lapin. Je n'ai jamais senti une créature comme celle-ci avant. Ah oui? Est-elle... dangereuse? Inoffensive, pour l'instant. Bon, mais surveillez-la, je n'aime pas beaucoup les gêneurs. J'ai besoin de recharger la machine pour la prochaine attaque. Oui, seigneur.
Je me demande quel numéro, quelle couleur je pourrais appeler. Des trois Belges, tout le monde peut gagner! Ou presque. C'est un jeu très facile. Écoutez bien chaque question. Puis, grâce aux touches colorales du téléphone, donnez votre réponse. Prêt? Question 1. De quelle couleur est la fourrure de Jim? Question 2. De quelle couleur est la queue des poissons sur le toit des toilettes? Question 3. En dehors du blanc, de quelle couleur est la fourrure de Miaou? Question 4. De quelle couleur est le poisson qui se trouve sur l'épaule droite d'un uniforme de garde des toilettes? Question 5. De quelle couleur est le collier de Waf? Enfin, la dernière question. Sur le panneau de Xanidou, de quelle couleur est la flèche indiquant le gymnase de Jim? Félicitations, vous avez gagné! Votre fabuleuse récompense des trois Belges devrait arriver très vite! Des haricots sauteurs des trois Belges. Je n'ai jamais vu un engin aussi bizarre. C'est normal! C'est la navette de Zanit. Salut les gars! Lui, c'est Miaou. Moi, c'est Waf. Bienvenue aux Trois Belges. Vous avez un sacré beau magasin, dites. Oh, les Trois Belges ne sont qu'une sorte d'extension naturelle de notre hobby à Miaou et moi, vous savez. Et quel est donc ce hobby? Se tabasser chacun notre tour pour rigoler. Un jour, nous avons réalisé, nous avons pensé, et on est là, se tabasser chacun notre tour pour rigoler. Mais que laisserons-nous à la postérité, en fait? Et puis... Miaou a dit, tu sais Waf, tu crois pas que tous les Aniens qui se respectent ne seraient pas prêts à s'arracher les yeux pour avoir la chance de pouvoir se tabasser chacun leur tour pour rigoler, mais avec le même style et la même finesse que nous? En fait, Miaou n'a pas dit ça. Il a fait que rire avec son rire bizarre.
bien et j'ai compris ce qu'il disait. Et c'est ainsi que les trois Belges sont nés. Des farces et attrapes meurtrières créées par des experts. Exactement. Nous pouvons apposer notre nom en toute confiance sur les produits des trois Belges. Car nous avons personnellement testé chaque produit et des centaines de fois sur nous-mêmes. Je vois que vous êtes un homme d'affaires avisé. Oh, nous avons simplement trouvé un créneau et nous nous sommes garés tout de suite, c'est tout. À Sanidou, il suffit de regarder autour de vous pour marcher sur quelqu'un qui veut recevoir une enclume. Ça fait longtemps que je suis pas venu ici. Il y a du nouveau. Du nouveau? Tu entends ça, Miaou? Du nouveau? Vous plaisantez ou quoi? Regardez autour de vous. Tous les jours, nous avons quelque chose de nouveau. Je croyais que c'était... Regardez autour de vous, vous marcherez sur quelqu'un qui veut recevoir une enclume. Faites pas le malin, mon gars. Restez comme vous êtes, naturel. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Nos derniers prototypes sont dans cette vitrine-là. Mais ils ne sont pas encore à vendre. Mais nous serions très heureux de vous en faire une démonstration. Nous aimerions beaucoup voir une démonstration de ce gant de boxe. Tout de suite! La satisfaction de la clientèle est un devoir sacré. Laissez-moi deviner. Regardez autour de vous et vous marcherez sur un client satisfait. C'est ça! Maintenant, écoutez bien. Grâce à une simple pression sur un bouton, ce gant s'écrasera sans hésiter sur le crâne du premier imbécile venu. L'abruti recevant le coup verra 36 chandelles et des étoiles chaque fois. Vous pouvez cogner tout ce que vous voulez, les gars. Ce gant est conçu pour résister au crâne de vos victimes. Coup après coup, baffe après baffe. Observez bien. Remarquez la qualité de notre cuir synthétique véritable. Je suis sûr qu'il en a plein d'autres en réserve. Salut les gars, comment marchent les affaires? Péniblement. Ah, c'est tant mieux alors. Qu'est-ce que c'est que cette machine là-bas? Cette petite merveille est le seul et unique cadeaumatique au monde. Il suffit de pousser le bouton pour le mettre en marche. Et de l'arrêter quand un cadeau vous plaît, en appuyant une seconde fois sur le bouton. C'est notre manière à nous de remercier du fond du cœur nos très chers clients payants. Bon, les gars... Il va falloir qu'on y aille, hein? J'ai horreur de voir partir nos amis. Surtout quand ils n'ont rien acheté. Revenez vite! Je pense que ces haricots sauteurs des trois Belges prouvent que je suis un de vos clients, non? Mais bien sûr! Vous pouvez utiliser le cadeaumatique. Il est à vous! Décrocher la timbale cette fois-ci. Mais nous avons un prix de consolation. J'espère qu'avec ceci, vous vous sentirez mieux. Écoutez, je ne voudrais pas vous paraître intéressé. Aucune récompense n'est nécessaire, vraiment. Je crains de ne pas avoir le cœur de vous priver de ceci. Cher ami, vous avez gagné un ultimaillet des trois Belges. Et parole d'assommeur, c'est l'arme de frappe la plus sophistiquée à ce jour. Nous avons un gagnant! Et vous pourrez même emporter directement votre cadeau chez vous, car il s'agit du méga aimant des trois Belges. Garanti sans glissade des mains, avec un bouton de marche arrêt très pratique et plus de poids que les hommes politiques du coin.
Félicitations, mon gars. Il faut donner un coup de main à ce monsieur. Ou du moins, un coup de gant. C'est quoi toutes ces photos? Vous voyez devant vous ceux que nous préférons dans le monde entier, nos clients payants. Chaque visage sur ce mur est celui d'un de nos clients toujours satisfait. Ils sont vraiment sympathiques, hein? Ah oui? Ouais, ceux qui ont encore un visage en tout cas. Je n'ai pas déjà vu ce type quelque part? Excusez-moi, monsieur. Sécurité des toilettes, je dois vous demander de vous éloigner de ces lieux d'aisance, messieurs. Ah oui? Sinon, vous faites quoi? Citoyen, en tant que garde assermenté de la sécurité des toilettes, cet établissement sanitaire et ses environs immédiats sont sous ma juridiction. Bref, en ce qui vous concerne, je représente la loi. Or, en tant que représentant de la loi, je peux me débarrasser des crapules, des gangsters, des charlatans, des mécréants, de la racaille, des bons à rien et de tous les autres fauteurs de troubles, selon mon bon plaisir. Ce qui comprend notamment le martelage sans pitié de votre tête à grands coups de pelle. Je crois qu'il vaut mieux faire ce qu'il dit. Je jure que si j'étais pas un sale lâche, je reculerais de 2 ou 3 mètres et je lui sauterais dessus pour lui faire sa fête. Je voulais juste voir si vous respiriez encore. Ciao! Bonjour et merci de votre appel. Mais en tant que professionnel de la sécurité, je suis actuellement en service. Je rentrerai chez moi à 6h30 précise ce soir. Rappelez à ce moment-là. Merci. Au revoir. Thank you.
Hey, on a réussi à faire marcher l'horloge. Comme dit le proverbe, autant aimanter une aiguille dans une meule de foin. C'est ça que vous cherchez. Oh, amour chéri. Vous avez retrouvé la pièce du Baratotron. Oh, quel amour vous êtes. Bonté bovine, je suis si excitée que j'ai la panse toute remuée. Oh, délectation de la lactation. Excusez-moi, messieurs. Oh, 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 oh. Du beurre. Je ne sais pas comment vous remercier. Ou plutôt si, je sais. Prenez les deux premières plaquettes. Une pour chacun. Merci. J'ai hâte d'y goûter. Plus vite, larve! Salut! Je m'appelle Marc Blanc et voici mon ami Flux. Oh, regardez! Deux sacs d'os se sont égarés par erreur dans mon célèbre club de gymnastique. Vous devez confondre avec la boutique de fringues plus loin dans la rue. Vous la reconnaîtrez au panneau qui dit « Allez les filles, entrez, on est spécialiste en petite taille ». Laissez-moi deviner, vous êtes Jim ? Oh, en voilà une surprise. Je suis heureux de constater que votre petite tête de primate contient tout de même un cerveau. En fait, mon espèce s'est séparée du singe il y a très longtemps. Et puis nous avons commencé à utiliser des outils, à cultiver des légumes, à domestiquer des mammifères inférieurs, comme les chiens, par exemple. Pendant que l'homme singe cultive des légumes, moi je cultive mes muscles. Je crois qu'il n'a absolument rien compris à ce que je lui ai dit. Ah oui ? Eh ben comme ça on est trois. Quelle est cette grosse machine, là-bas dans le coin ? Vous êtes en train d'admirer l'appareil de bodybuilding le plus sophistiqué du monde, le gonflotron. Avec ça, je vous garantis que le plus minable des losers peut devenir un homme surpuissant. Hé, hey, vieux, t'entends ça? On dirait qu'il y a encore de l'espoir pour toi, après tout. Désolé, mais le matériel est réservé aux membres du club. Super! Bon, je pense qu'on va s'inscrire au club, alors. Vous vous trompez encore, mauviette. Pour être membre, il faut y être invité. Et c'est moi qui invite. Et nous ne sommes pas invités. Bravo, sac d'os sans chair. À quoi
quoi servent tous ces appareils de gymnastique? C'est mon équipement personnel. Je l'utilise pour montrer mon agilité et ma grâce. Si vous voulez mon avis, toutes ces barres et tous ces trucs-là, ça a l'air plutôt dangereux. Pour un gorille maladroit et pâteux comme vous, oui. Mais pour moi, c'est la routine, simple comme bonjour. Dites, Jim, vous pourriez nous faire une petite faveur? Qu'est-ce que vous voulez? Parlez, homme cure-dent. Eh bien, je me demandais si Flux et moi, nous pourrions voir votre démonstration. Très bien. Je suppose que je peux vous montrer ce que je sais faire. Ah bon? J'ai hâte de voir ça. Alors? Ouais! Mais c'est génial! Vous pourriez être célèbre! Je veux dire que n'importe quel cirque tuerait un chien pour un numéro pareil! Bon, je crois qu'il est temps de partir. Hé, on doit être là depuis plusieurs mois, si on compte en années de chien. N'essayez pas de faire le malin, Gringalet. Sinon, je n'aurai pas le choix. Et je devrais vous transformer en bouillie à trois dents. Avec du beurre, tout glisse mieux, en général. Oh bonjour, mon vieux pote Jim. Je pense que vous faites erreur. Je ne suis pas un vieil ami à vous. Je ne crois pas. Dites, votre exercice a l'air très dangereux. Si c'était moi, j'aurais peur de me briser le cou. Mais vous n'avez pas de cou, donc vous n'avez pas à vous inquiéter. Il n'y a aucun danger pour moi. Je maintiens mon équipement en parfait état de marche. Comme mon corps, d'ailleurs. Dans ce cas, si ce n'est pas trop vous demander, j'aimerais beaucoup revoir votre démonstration. Très bien. Je vais encore vous montrer ce que vous ne pourrez jamais faire. Vous partez déjà? Revenez quand vous ne pourrez pas rester! Alors, quel effet ça fait d'être en super forme? Tu n'aurais pas de l'aspirine. Les vautours qui traînent comme ça, ça me rend nerveux. Excusez-moi, est-ce que vous... Vois, mon frère, je vois de nouvelles têtes qui viennent de pénétrer dans notre boulangerie. Tiens! Ça alors, bienvenue, compagnon. Moi, c'est Blanc, le célèbre dessinateur. Et lui, c'est Flux Radieux. Ravi de vous connaître, compagnon. Nous sommes... Les Boulanges Brothers. Aldo. Bambi. À
Un jour, je me promenais dans la rue et un vieil homme s'est approché de moi. Il m'a demandé de lui indiquer où se trouvait le marché aux poissons. Je lui ai répondu surpris, le marché aux poissons? Mais ne me demandez pas ça à moi! Je croyais que c'était vous qui deviez apporter la tarte aux pommes! Attendez un peu, mais ça ne veut rien dire! Ah bon? Oui, il a raison! Nous ne pouvons plus jouer de la même manière depuis que je suis seul ici, face à Domi, l'ami. Domi? L'ami? Non, seul Domi et moi, non Domi. Si, Domi c'est moi! Attendez un peu! Lui c'est Aldo, Domi c'est moi! Aldo? Et Domi. Et nous avons un autre frère, Rémi. Ou plutôt, nous avions... Nous ne sommes pas encore remis. Rémi disparu chantait la note du milieu. Il racontait le milieu des blagues. Et il s'occupait du milieu de la boulangerie. Rémi disparu? Rémi aurait-il péri? Non, il est parti. Un jour, il est sorti et il n'est jamais revenu. Depuis, ce n'est pas du gâteau pour Domi et moi. Bon, je crois qu'il est temps d'y aller. Soyez prudents. Ne parlez pas aux étrangers. N'oubliez pas votre pullover. Et n'oubliez pas de nous écrire. Ah, merci. Merci. Je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie. Du beurre. Oh, merci, mes amis. Maintenant, permettez-moi de vous faire profiter des délices de notre boulangerie. Oh joie, oh bonheur, je suis si heureux, moi. Et voilà, une boule de pâte à pain préparée spécialement pour vous. Miam, miam. Oh, c'était merveilleux de faire enfin de la pâte. Oh, Dieu soit loué, je suis si heureux. Moi aussi, complètement, parfaitement heureux. Fabuleusement, incroyablement, merveilleusement heureux. Si seulement Rémi était là pour célébrer cet événement avec nous. Oh, bon. Dis donc, ça n'a pas duré longtemps. Oups. Nous voilà. Oh non. Vous savez, je pensais que les mignonniens étaient tous joyeux et serviables, attentionnés et généreux. Vous, vous me semblez par contre franchement antipathique. Bon, ça va. Vous m'avez eu. Je ne suis pas du coin. Ah, mais oui, je me souviens de vous. Vous aviez une salle dans le même genre à Xanidou. Pourquoi avez-vous quitté notre terre natale? Les affaires étaient nulles. C'est difficile de rouler un Xanien. Ils sont tous trop malins. C'est vrai. Alors je suis venu ici pour arnaquer... pour amuser ces mignons petits mignonniens au sourire signet. C'est pas le mérou, mais ça me permet de vivre. Détrousser les mignonniens? Ah, mais c'est tout simplement... génial! Vous ne cherchez pas un associé? Il parle de manière théorique, bien sûr. Qui? Moi? Alors, en parlant de manière théorique, non! Je crois que je sais comment fonctionne votre cognomètre, là. On essaye de faire sonner la cloche, c'est ça? Ouais. C'est tout ce que vous avez à faire pour gagner un des plus beaux prix de ma salle d'arcade. Cette bouteille d'excellent Chablis. J'ai même un maillet porte-bonheur sur moi qui n'attend que vous. Un échec à rebondissement.
permettez que je cogne sur votre cognomètre? Bien sûr, allez-y. Tenez, votre maillet porte bonheur. Non, merci, j'ai apporté le mien. Mais personne ne vous a jamais demandé d'apporter votre saleté de maillet personnel. En plus, cet outil ridicule ne vous aidera pas beaucoup. Comme mon vieux papy me disait toujours, ventouse, espèce de bon à rien dégénéré, il faut toujours prendre l'outil adapté pour son travail. En fait, tu empestes le lichen en putréfaction. C'était un grand sage, mon pépé. Je n'en doute pas. Maintenant, je vous conseille de poser ça avant que je... N'oubliez pas que nous sommes à Mignonia ici. Avant de vous faire mal et de vous cogner dans le dos. Mais si vous tenez absolument à l'utiliser, allez-y. Ouais! Quoi? Mais c'est impossible! Enfin, je veux dire que... félicitations! Mais vous ne m'impressionnez pas! Je sais ce qu'on dit sur les types qui ont besoin de gros maillets. Ok, la pieuvre! Où est notre chablis? Mais oui, oui! Tenez! Prenez votre saleté de vin. Eh, ce n'est pas du chablis. C'est marqué vin de prune du capitaine Vintin. Oui. Et j'espère que vous vous étoufferez en l'avalant. Je devrais d'abord parler au caissier. Qui sait quelles sont les règles des jeux ici? Comment ça va, capitaine Calamar? Vous n'avez rien de mieux à faire ailleurs. Ce jeu-là, au milieu, il ne marche pas très bien, hein? Walkman, c'est parce qu'il vient de Xanidou. Mes petits clients en plus préfèrent les jeux gnangnan, ceux de Mignonia, comme Sweet Fighter. Sweet Fighter? Vous avez bien compris. Je vois. Et c'est le jeu qui marche le mieux chez vous? Oui, avec Mortal Compote. Je ne vous demanderai pas de détails. Alors ne me demandez pas de détails. Mais Walkman, ça, c'est un jeu. Et comme j'ai pas mal de temps libre et plein de tentacules, disons simplement que maintenant, je suis assez fort à ce jeu. En fait, j'ai imaginé une sorte de concours permanent. Si quelqu'un peut me battre à Walkman, je lui offre un des plus beaux prix offerts dans ma salle d'arcade. Cette fantastique chaîne, presque en or. Presque en or? Ça vaudrait presque quelque chose. Écoutez, je ne sais pas du tout comment on joue à Walkman, mais je ne suis pas de ceux qui reculent devant un défi, ni une bonne dose d'humiliation. Alors, on se fait une petite partie? Pas de problème, mec. Si vous me battez, je vous donne la chaîne en or. Désolé, mon pote, mais je crois que je suis le nouveau champion. Un champion? Et ta sœur?
Je vous ai vu tricher, mais je vous donnerai la chaîne. Parce que je suis un type très honnête. Une erreur stupide. Je crois que nous sommes tombés dans votre soupe. Là, je suis un peu perdu. Quelle erreur, vous dites ? Bah, en fait, Flux et moi, nous n'avons rien à faire dans cette marmite. Nous sommes encore vivants, regardez. Marc, ne lui donne pas des idées. Écoutez, SM. Vous savez, c'est tout à fait contraire aux règles qu'un dîner en train de cuire m'appelle par mon prénom. Revenons plutôt à Monsieur le Loup, tout ça. Écoutez, Monsieur le Loup, il commence à faire vraiment très chaud là-dedans. Ah, ça, c'est normal. Si vous nous mangez, le roi Hilarius sera très mécontent. Ce ringard ne serait même pas mécontent si sa mère se faisait écrabouiller par un autobus. En plus, il n'a aucune autorité dans cette forêt. Ici, c'est moi, le roi. Et vous, vous êtes mon dîner. Bon, je crois qu'il est temps de passer au plan B. C'est quoi le plan B déjà? Trouver un plan C. C'est bien ce que je craignais. Tout faire. Il nous a débarrassé de ses loups en un coup de cuillère à marmite. Mais bonjour les courbatures. Ça marcherait peut-être mieux avec un bon feu. Je vais la reposer là où je l'ai trouvée. Hé ! Je ne savais pas que tu étais buisinier. Je veux dire, pâtisseur. Ah ! Boulanger, c'est ça.
c'était chouette. Mais attention, n'essayez pas de faire ça chez vous.